Bien, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir vous retrouver et de passer ce moment, certes peut-être en décalé, mais voilà, nous voulons aussi nous arrêter, tout comme vous le faites, nous l'espérons, en ce dimanche matin ou en ce dimanche après-midi, je ne sais. Mais le plus important, c'est que voilà, nous nous arrêtions ensemble pour considérer l'œuvre de notre Seigneur, considérer ce qu'il a encore fait pour nous durant toute cette semaine, ce qu'il a fait pour toute notre vie entière d'ailleurs, ce qu'il a préparé d'avance aussi pour chacun de nous, pour cette nouvelle semaine qui commence, parce que nous savons que il est essentiel, il est vital pour chacune de nos vies, et bien encore de nous en remettre à notre Dieu. Alors, salutations encore à toutes et à tous. Et pour introduire ce culte, je voudrais simplement vous lire quelques versets que nous trouvons dans le psaume 107. Psaume 107 à partir du premier verset, où il est dit ceci: « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. » Ne sommes-nous pas des rachetés? Dieu n'a-t-il pas payé un prix considérable par la propre vie de son Fils unique Jésus-Christ pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions dire aujourd'hui « Oui, je suis un enfant de Dieu, ma vie lui appartient et il conduit mes pas. » Si vous êtes d'accord avec ces versets, je vous invite à louer notre Dieu encore en ces instants, par des chants, par la prière également. Et je vais demander simplement à Alex de nous introduire dans ce moment de culte en remettant ce temps dans la prière. Seigneur, c'est une vraie bénédiction. Tu n'es pas lié ni par le temps, ni par l'espace. Guide nos cœurs, Seigneur, lorsque nous participons à ce culte, peut-être dans le temps décalé. Que nos cœurs soient inclinés vers toi, que ton esprit nous anime et que nous puissions te offrir une culte digne de ton sang. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et bien sans tarder, je vous invite à prendre ce premier chant qui dit « Je loue ton nom éternel, je veux célébrer ta bonté ». Nous avons lu dans les versets que sa miséricorde dure pas un instant. Comme nous, bien sûr, des fois, nos humeurs ne durent qu'un instant. Mais non, sa miséricorde dure à toujours. Son amour pour nous dure à toujours. Alors c'est pour ça que nous voulons encore aujourd'hui même le chanter et le louer par ce premier cantique. Sur un autre cantique qui nous invite encore à célébrer celui qui nous a donné la vie, simplement un verset à vous lire dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 4, qui dit ceci: « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. » Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver.
Voyez la volonté de Dieu dans son amour pour nous, de nous soutenir, de nous porter, de nous sauver jusqu'à notre vieillesse. Autrement dit, comme si tout cela avait une limite, mais non. C'est pour l'éternité que Dieu nous aime, veut nous tenir, veut nous porter, veut nous soutenir. Alors, puisse-t-il être encore honoré, loué, tel qu'il en est digne, par ce chant qui dit « Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter ». N'hésitez pas à lever les mains au ciel, à taper dans les mains en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 61, verset 1er, il nous est dit également ceci. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. D'ailleurs, en titre, il est noté « Le salut proclamé, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Des bonnes nouvelles, elles manquent. Elle manque beaucoup, c'est vrai, si vous suivez le quotidien, si vous suivez malheureusement les informations de chaque jour, ou alors c'est peut-être parce que je m'arrête que sur les mauvaises nouvelles, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle manque. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a une bonne nouvelle pour ta vie. Et c'est pour cela que nous nous réunissons aussi ensemble pour chanter, pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu qu'on a reçue dans notre vie, mais qui est aussi pour votre vie à chacun. Il a envoyé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon cœur était brisé par le péché, tout comme Debbie, Alex, Cécile, ou Lounis aussi derrière cette caméra. Et l'Éternel nous a donné un cœur nouveau, un cœur rempli de sa présence, par lequel aujourd'hui nous pouvons encore dire et chanter « Oui, je vis par Christ qui vit en moi » pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce temps de confinement, tu as l'impression d'être lié de tous les côtés. Pour autant, je peux te dire, et je pense que nous pouvons dire ensemble et chanter, oui, je suis libre grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Et j'avance léger. Amen. Alors prenons encore un chant. Nous t'adorons, Seigneur, dans ton temple. Voilà. Le temple de Dieu n'est pas limité à un lieu. Il va même dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Viens faire résonner une louange avec un chant, avec une prière au plus profond de ton cœur pour celui qui en est digne, à savoir Jésus-Christ. Nous t'adorons.
Je laisse désormais la place à Hugo qui va nous faire la lecture de l'épître de Paul à Timothée en ces instants. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche matin. Nous sommes ici pour célébrer, adorer, glorifier notre Dieu. Afin de continuer notre exposition aux épîtres de l'apôtre Paul, je vais lire les textes de 1 Timothée chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 16. Dit comme ça les textes. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et est élevé dans la gloire. Ici, l'apôtre Paul, déjà, il y parle de l'importance de l'Église. Il y parle que c'est important et que l'Église est en représentation très importante aussi pour nous. Il y parle ici l'Église du Dieu vivant. Donc, ce n'est pas forcément seulement une assemblée, ce n'est pas forcément juste une communauté, ce n'est pas une association ou un club comme les gens pouvaient penser ou voir. Mais non, c'est l'Église du Dieu vivant. Nous appartenons à Dieu. Et quelque chose aussi que l'apôtre il parle de manière très profonde et qui devrait être au sujet de notre réflexion. Il parle ici dans le verset 16. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu a été manifesté en chair. Ici en confirmant que Jésus-Christ est Dieu. Justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations. Donc c'est-à-dire qu'ici il est en train de parler de l'incarnation de Jésus-Christ, de le ministère de Jésus-Christ et de toute l'action que Jésus-Christ a fait au monde et continue à faire aujourd'hui. L'apôtre Paul, il renforce ça parce que ça, c'est le plus grand sujet de notre prédication. Ça, c'est le plus grand sujet de la raison pour laquelle l'Église est là. Que Jésus-Christ puisse être toujours reconnu comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, et qu'on puisse glorifier notre Père merveilleux qui nous a donné son Fils pour mourir pour nous. Que Dieu te bénisse et qu'on puisse continuer à adorer et à glorifier notre Dieu.
cantique merveilleux qui nous rappelle toute l'œuvre sublime et bien de notre Seigneur, de notre Sauveur à la croix. Oui, le sang de ses blessures, toutes ses meurtrissures, contemple-les, comprends-les, elles sont pour toi, pour le rachat de ta vie. Et nous voulons encore nous arrêter justement, et on va prier justement pour rendre grâce à Dieu, là où vous êtes. Vous pouvez prier avec moi, vous pouvez dire Amen à ma prière, et voilà, que notre Seigneur soit encore remercié, reconnu pour ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il veut être pour chacune de nos vies. Inclinons-nous quelques instants. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons encore eh bien, reconnaître ton œuvre, Seigneur, reconnaître tout ton amour pour lequel eh bien, tu ne t'es pas limité à de simples paroles, comme bien souvent les hommes peuvent le faire, mais tu l'as manifesté par des actes tout au long de ta vie ici sur cette terre, et notamment par un acte qui a couronné le tout, c'est celui de la croix, celui de ton sacrifice, par amour pour chacune de nos vies. Et nous voulons encore le reconnaître. Nous voulons simplement te dire, je dis bien simplement parce que c'est bien simple par rapport à tout ce que tu as fait pour nous. Mais merci mon Dieu, merci Jésus de m'avoir aimé, non en vertu de ce que j'étais digne d'être aimé, mais de m'avoir aimé tel que je suis, de m'avoir aimé le premier Seigneur Jésus. Je veux te dire encore un grand merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et ce que tu veux faire aussi demain pour chacune de nos vies, pour tes enfants. Parce que tu as déjà tout prouvé, Seigneur. Ton amour, tu l'as déjà prouvé pour chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons que dire, oui Seigneur, j'accepte tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, c'est avec un simple merci que je viens à tes pieds aujourd'hui même pour t'apporter simplement ma reconnaissance. Seigneur Jésus, conduis-nous encore durant ce temps où nous allons ouvrir ta parole, que nous puissions justement être attentifs, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que nous ne pouvons en aucun cas douter, Seigneur, que ce que tu veux, c'est que notre bien, que la vie, Seigneur, pour chacun de nous. Alors puissions-nous encore être attentifs à tes voix, attentifs à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, viens poser ta main encore sur chacun de nous. Viens conduire nos cœurs, toucher nos cœurs, dans le beau nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, je vous invite à prendre un dernier chant, ce chant qui dit « Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que le lieu où vous soyez, votre chambre, votre salle à manger, votre cuisine, je ne sais où vous êtes, voilà, normalement pas trop votre voiture, hein, comme nous sommes confinés, mais où que vous soyez, je prie simplement que votre cœur soit visité par la présence de Dieu en ces instants et qu'il puisse être changé, transformé, sanctifié pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que le Seigneur soit balayé. Que Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que Seigneur soit les témoins de l'action de ton.
Bien comme nous venions de le chanter, oui, que ces lieux soient visités par la Sainte Présence. Et ma prière, c'est que eh bien, le Saint-Esprit vienne justement visiter mon cœur, le premier bien sûr, quand j'ai lu eh bien, ce matin ce texte de la parole de Dieu, mais que le Saint-Esprit vienne aussi visiter votre cœur là où vous êtes. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, nous allons prendre à partir du verset 10 et nous irons jusqu'au verset 17. Alors vous savez, voilà comment est la culture française, vous savez comment sont les Français, hein, les irrésistibles Gaulois, avec leur caractère, avec leurs humeurs. Et alors que nous vivons des temps où la France est ébranlée, même le monde est ébranlé, et bien souvent je suis surpris des discours par rapport à cette pandémie, par rapport aux conditions sanitaires, et jusqu'à des discours, des divisions des fois même au sein du milieu évangélique aussi, hein, des prises de position différentes concernant les masques, concernant les vaccins, concernant des théories du complot, toutes choses comme ça. Mais voilà, alors on va dire que c'est le français, mais je vous rassure, c'est pas que le français, c'est la nature humaine. Et c'est ce que nous allons voir notamment aussi ce matin. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, et que c'était Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Alors si je devais mettre un titre eh bien, au message que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin, c'est ce titre-là. L'Église a un devoir d'unité. L'Église a un devoir d'unité. Prenons simplement quelques instants pour prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Oui, Père Céleste, nous voulons encore te rendre grâce. Merci pour ta parole. Viens conduire mon cœur, viens conduire nos cœurs, toujours plus proche de toi, dans une connaissance toujours plus profonde, toujours plus intime de ta personne, de ta volonté, de ta vérité et de ce que tu désires aussi pour chacune de nos vies. Merci d'avance, Seigneur, pour tes enseignements. Merci d'avance, Seigneur, pour t'arrêter. Et toi, ce Dieu si grand, de te pencher vers des êtres si petits que nous. Mais tu nous aimes tant, tels des parents vis-à-vis de leurs enfants. Tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas de nous reprendre, malgré des fois notre côté rebelle, notre côté râleur, mais tu es là et tu viens encore nous parler ce matin. Loué sois-tu, Père Céleste, pour ce temps que tu prends encore avec nous, avec chacun de tes enfants. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ici, nous avons l'apôtre Paul qui nous parle de division eh bien, dans l'église de Corinthe. Et alors juste avant, hein, il rappelait justement son apostolat, il rappelait le fait d'avoir été appelé par Dieu, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et ici, il s'adresse à l'Église, mais il ne s'adresse pas à l'Église
tel un général, tel un sergent-chef, tel un colonel bien dur, il dit « Je vous exhorte, frères ». Entre guillemets, « Je vous encourage, frères ». L'idée de se tenir aux côtés de quelqu'un d'une manière intime, mais amicale, avec un conseil, tel un consolateur, tel ce consolateur que Jésus-Christ nous avait promis qu'il nous enverrait quand il partirait et que nous avons reçu, ce Saint-Esprit, ce consolateur qui vient parler à nos oreilles et qui vient dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division. » L'Église a un devoir d'unité. J'ai pas dit d'uniformité. Nous ne sommes pas tous appelés à être des clones, tous à ressembler à, par exemple, Jonathan, ou encore à notre frère Lounis derrière la caméra, ou à notre frère Alex, le tromboniste, ou Debbie, clarinettiste, ou Cécile, chanteuse. Non, mais nous sommes appelés à l'unité. Et c'est d'ailleurs le souci de Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 20, il nous dit ceci. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il était important pour l'Église de Corinthe, tout comme il est important pour nos églises, de bien saisir ce devoir d'unité, afin que le monde croie en Jésus-Christ. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Oui, l'unité de l'Église montre à quel point Christ, eh bien, habite dans l'Église. Christ habite dans nos cœurs. L'Église de Jérusalem aussi faisait preuve d'une unité remarquable. Actes chapitre 4, il est dit ceci, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » L'Église de Jérusalem n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et d'ailleurs, Dieu aussi promet une bénédiction formidable dans l'unité. Psaume 133, c'est aussi un chant que l'on peut chanter. Hein. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Vous connaissez ce chant? Eh oui, il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, d'être unis ensemble, malgré nos différences, malgré nos origines géographiques, nos origines culturelles, bien que nous ne soyons pas tous, pareils, identiques, hein, ce n'est pas de l'uniformité, mais l'union que nous trouvons en Jésus-Christ. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En même temps, protéger cette unité, eh bien, nous voyons aussi que ça nous amène aussi à prendre garde, à être prudent, à faire des choix. Philippiens 3:2, il est dit ceci, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Aussi Romains 16, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Paul ne demande pas l'uniformité, mais il demande l'union en Jésus-Christ, afin que Christ, habitant au milieu de nous, par cette unité, eh bien, le monde voit l'amour, eh bien, qui rayonne au milieu de chacun de nous. C'est pour ça qu'il est difficilement concevable, bien que nous ayons des réseaux sociaux, bien qu'il soit possible de regarder le culte dans votre salon, devant votre télé, en étant tout seul avec votre tasse de café, vos chips, j'en sais rien, mais que vous soyez tout seul en face de votre télé et vous dire « Je suis chrétien parce que j'écoute des cultes, je suis des cultes en ligne », vous ne pouvez pas être chrétien tout seul. Pour moi, ça me paraît inconcevable quand je lis la parole de Dieu. Parce que pour être uni avec soi-même, c'est sûr, ce n'est pas compliqué.
Mais quand Dieu parle d'unité, il parle d'un groupe de personnes qui, à la base, ne sont peut-être pas faits pour faire des choses ensemble, qui ne sont peut-être pas faits pour s'entendre ensemble, pour s'aimer forcément les uns les autres, pour faire attention les uns aux autres. Mais parce que, eh bien, nous regardons tous ensemble les yeux vers Jésus-Christ, vers ce que Dieu veut pour nos vies, eh bien, Christ va faire ce miracle d'unité au sein de ce petit groupe. Croyez-vous que si nous sommes unis, si nous pouvons chanter ces cantiques, oh qu'il est bon de demeurer ensemble, n'est-ce pas parce que par ça, le miracle de Jésus-Christ, eh bien nos cœurs ont été changés. Dieu a disposé le cœur de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans les cœurs, mais que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 à 25. Alors tout cela est loin d'être évident, pas toujours facile, pas simplement pour nous en tant que Français, pas simplement pour nous, mais difficile pour la nature humaine, hein, parce que la nature humaine a est toujours attirée vers, on va dire, la division. Romains chapitre 1, versets 28 à 32 nous dit ceci. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, écoutez bien, hein, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice rapporteur, médisant, impie, emporté, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, beaucoup d'imagination, hein, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Vous savez, le désir de discorde, de division, en général a trois origines. La première origine, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est universel. C'est aussi bien la femme. L'orgueil. Proverbe 13:10 nous dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. As-tu un cœur querelleux? L'orgueil a-t-il beaucoup de place dans ta vie? Une autre origine, la colère. Proverbe 29, verset 22. L'homme coléreux excite des querelles. La jalousie aussi. Sans cesse à vouloir chercher, nous comparer aux autres, à même avoir plus de valeur par rapport à l'autre, prendre une place par rapport à l'autre, jusqu'à tel point, même des fois on voit même dans le milieu du travail, marcher sur la tête de l'autre pour se donner plus de valeur. L'orgueil, la colère, la jalousie. Oh, mais quand tu es en Christ, si je prends l'exemple de la jalousie, tu ne cherches pas par rapport à ton voisin, par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur, à essayer d'avoir plus de valeur par rapport à lui. Ce qui compte, c'est la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et là, tu lèves les yeux au ciel. Tu lis la parole de Dieu, tu regardes ton Dieu et tu entends justement Dieu dire qu'il t'aime tel que tu es. Que tu as une valeur infinie à ses yeux. Au point qu'il va donner sa vie pour toi. Qu'il a donné sa vie pour toi. Tu es une perle rare d'un grand prix aux yeux de Dieu. Alors, que sert-il d'essayer d'avoir plus de valeur par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur, d'envier ton frère ou ta sœur? Ce qui compte, c'est ta place devant Dieu. Alors, quel que soit l'orgueil, la colère qui amène la discorde, la jalousie, un esprit querelleur, une certitude, c'est qu'un esprit querelleur est une abomination aux yeux de Dieu. Il est dit ceci, hein, Proverbe 17, verset 19, « Qui aime la brouille aime le péché.
Commencer une querelle, c'est aussi rompre une digue. Toujours Proverbe chapitre 17. Alors, une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes avant tout tous mis sous une même mission. Ici, il va parler, hein, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Mais il va dire, mais Christ est-il divisé? Alors, quelle que soit l'église dont vous soyez, quel que soit le prédicateur que vous suivez, nous ne suivons pas un prédicateur, nous ne suivons pas un pasteur, nous ne suivons pas un mouvement religieux, mais comme le rappelle ici Paul, nous sommes tous sous une même mission. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire hein, au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il va même ici, il ne va pas minimiser le baptême, mais à ces Corinthiens qui mettaient une sorte de mysticisme le jour du baptême, hein, j'ai même des fois déjà entendu certains chrétiens qui disaient ah, le jour du baptême, il va se passer quelque chose comme s'il allait se passer quelque chose de magique, mais c'est une confirmation d'un engagement qui a déjà été pris, comme je le prends souvent l'exemple du mariage. Ce n'est pas le jour du mariage que vous réfléchissez si vous allez dire oui ou non à votre bien-aimé ou à votre bien-aimée. Vous le savez déjà la veille, du moins je l'espère. Pour le jour du baptême, c'est pareil. Mais seulement, ici, ce que Paul est en train de rappeler aux Corinthiens, plus important, n'oublions pas la mission à laquelle nous sommes tous appelés. Qui que nous soyons, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Vous savez, quand nous sommes unis le dimanche matin, quand le déconfinement le permettra, nous ne sommes pas unis pour écouter simplement de la bonne musique. Nous ne sommes pas non plus unis pour créer une association, on va dire, exemplaire. Pas simplement unis non plus pour passer du temps ensemble le dimanche matin. Mais si nous sommes unis, nous sommes unis pour une seule et même mission tous ensemble. Nous savons que nous pouvons faire plus ensemble que tout seul. D'ailleurs, hein, il est dit que l'Église est un corps. Il y a des mains, il y a des pieds, il y a des genoux, il y a un buste, il y a des têtes. L'Église est un corps. Et là, je lance un appel à ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent être l'Église tout seul, chez eux, sans aucune relation avec d'autres chrétiens. Non, mon frère, non, ma sœur, tu passes à côté de quelque chose de formidable. Tu passes à côté de moments plus que bénis, mais tu passes surtout à côté de la mission à laquelle Dieu appelle chacun de ses enfants à travailler ensemble pour annoncer l'Évangile. Et aussi dans cette Église, dans ce groupe qui se forme, ce groupe, malgré ses différences, va former une unité qui va révéler la puissance de Dieu, justement. Parce que, oui, la nature humaine, c'est de se diviser. La nature humaine, c'est toujours chercher de la discorde. C'est toujours regarder ce qui ne va pas dans la vie de l'autre, alors que des fois, dans notre propre vie, eh bien, nous passons déjà nous-mêmes à côté de beaucoup de choses. La nature humaine, c'est la critique. La nature humaine, c'est bien souvent la mauvaise langue. Mais des frères et sœurs unis en Jésus-Christ, qui lèvent les yeux vers Jésus-Christ, qui croient en la toute-puissance de Jésus-Christ, peut créer une union qui a un reflet, un rayonnement qui va parler d'elle-même, de l'Évangile et de la puissance de l'amour de Christ. Nous sommes appelés à vivre en harmonie. L'Église a un devoir d'unité. Pour cela, il y a un dernier verset avec lequel je voudrais terminer. Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit ceci. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour donner, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous savez, tout à l'heure, nous avons lu que, eh bien, notamment cette église de Jérusalem, hein, avançait d'un même cœur, avançait d'une même pensée, et c'est pas que nous sommes invités à essayer de ressembler à tel frère, à telle sœur, à tel mouvement, à telle assemblée, nous sommes simplement invités à nous rapprocher de plus en plus du caractère, de la pensée de Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes appelés à le connaître toujours plus, à être toujours plus proche de lui. Amen. Amen. Je vais juste terminer par la prière avant que nous chantions un dernier chant qui nous invite justement à nous rapprocher de Dieu. Seigneur, attire mon cœur à toi et Seigneur, brise, soumets ma volonté, ma résistance à tout jamais. Je crois que c'est la deuxième strophe de ce chant de mémoire. Oui Seigneur, viens briser mon orgueil, viens briser ma colère, viens briser malheureusement bien souvent des fois ma jalousie. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens changer encore nos cœurs. Oui Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin. Eh bien, pour cette parole, Seigneur, que tu avais laissée à l'église de Corinthe, mais que tu laisses aussi à chacune de nos églises, parce que nous connaissons notre penchant naturel, Seigneur, à se diriger vers toutes ces choses, vers ces querelles, vers ces divisions, pour des sujets bien souvent futiles, Seigneur, qui ne servent qu'à nous éloigner de la mission principale à laquelle, eh bien, tu nous as appelés, qui est de partager cette merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ que nous avons reçue, que nous avons un sauveur, que nous avons quelqu'un qui vient nous éclairer sur notre vie, sur qui nous étions et sur qui nous sommes appelés à devenir. Ô Seigneur Jésus-Christ, viens toucher, eh bien, les cœurs de chacun, Seigneur, encore en ces instants. Que nous puissions, Seigneur, chercher toujours plus ta face, déposer à tes pieds, eh bien, justement, nos difficultés, nos faiblesses, nos défauts, nos querelles, notre cœur jaloux, notre cœur de discorde. Et Seigneur, viens nous renouveler, viens nous fortifier, nous sanctifier et nous rendre toujours plus semblables à toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, et que cette unité, Seigneur, entre frères et sœurs, puisse être un véritable rayonnement, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous. Pour ta seule gloire, par Jésus-Christ. Amen. Je te désire tout.
Juste avant de nous quitter, je voudrais simplement vous donner quelques annonces et également un autre rendez-vous aussi. Donc cette semaine, nous aurons rendez-vous pour notre étude biblique qui sera mise en ligne mercredi. Et nous continuons notre série sur les dons spirituels. Après avoir eu cette étude avec notre frère Hugo sur le don des langues, et bien moi je continuerai sur le don de la prophétie. Donc je vous donne rendez-vous mercredi, en ligne, la vidéo sera mise courant journée, mercredi. Sinon, notre culte également, dimanche prochain, de même, rendez-vous aussi, dimanche matin à partir de 10h30 sur les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi sur WhatsApp ou encore notre chaîne YouTube où vous verrez cette semaine d'autres vidéos seront mises en ligne, notamment des chants interprétés soit par moi et Cécile, mais aussi du musical avec Déby. Je remercie encore bien sûr toute l'équipe avec laquelle ce ne serait pas forcément possible, mais qui se mobilise pour justement pouvoir vous proposer ces réunions en ligne. Donc il y a quelqu'un aussi que vous ne voyez pas, c'est notre frère Lunis qui est derrière la caméra, qui se donne aussi à fond pour pouvoir vous communiquer tous ces éléments. Pensons aussi, d'autres aussi qui travaillent un petit peu aussi dans l'ombre. C'est aussi un bonheur de pouvoir arriver aussi que la salle soit chauffée. Donc ça c'est Manu aussi qui nous prépare aussi la salle en mettant le chauffage. C'est tout bête, mais c'est l'église, c'est ça l'église. Chacun a un rôle à jouer, à exercer et qui contribue à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien juste avant de nous quitter, je vais simplement demander à Alex de conclure par la prière, notre culte d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à cette semaine, mercredi et dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche à toutes et à tous.